Bonjour à tous, c'est Ludovic Bezeron. Chaque jour, j'accompagne les personnes qui le souhaitent à atteindre leur idéal de vie. Aujourd'hui, c'est de justice dont nous allons parler et tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs en France? Découvrez le contenu de cette vidéo juste après ça. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs en France? La séparation des pouvoirs consiste à ne pas donner toutes les fonctions d'un État à une seule entité. Ce principe distingue généralement les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, respectivement confiés au Parlement, au gouvernement et aux juridictions. Sachez que ces trois pouvoirs se définissent donc par leur rôle à l'égard de la loi. Le champ du pouvoir législatif est celui de l'élaboration et de l'adoption de la loi. Le champ du pouvoir exécutif est celui de la mise à exécution de la loi. Enfin, le champ du pouvoir judiciaire est celui du respect et de l'application de la loi. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série « Questions de justice » sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog www.ludovicbezeron.com. À la semaine prochaine !